Avec Myriam, bonjour. Bonjour. Et ce matin, donc, des légumes haut de gamme. Hein. Exactement. Alors, j'ai le plaisir de vous cuisiner, justement. Est-ce que vous avez déjà cuisiné des légumes 3 étoiles ? Pas du tout. Et pas d'étoiles dessus ? Toute première. Toute première. Eh oui, toujours. Donc, je vous emmène ce matin chez Sabine et Didier Ferrin à Malemort. Donc, ils produisent avec passion et à quatre mains des asperges qu'en cette saison, des pois chiches, des mini-légumes, carottes de toutes les couleurs, des radis gris, radis raides, navets violets, navets violets, c'est mieux. Comme ça, ouais. Et navets boules d'or en cette saison. Et dont les chefs étoilés se régalent. Vous pouvez ainsi retrouver leurs délicieux légumes localement chez Nicolas au Mabotero, à Saint-Cana, qui est très connu, et qui est d'ailleurs l'initiateur de cette production de mini-légumes. C'est lui qui leur a donné l'idée de partir sur cette petite production, parce qu'ils travaillent très très bien, Sabine et Didier. Il y a aussi l'hôtel Fontenay La Loris, l'auberge La Fenière à Cadenet, que de belles tacles gastronomiques de la région, et aussi désormais la Villa Lacoste, avec la célébrissime chef étoilée Hélène Darroze, qui est en Provence désormais, et qui façonne leurs navets boules d'or et navets violets, alors rôtis, en purée façon tatin, en ravioli, même cru en salade, dans un plat sans lécher les babines autour du pigeonneau de Provence. Voilà qui donne furieusement envie de se mettre le navet, de remettre pardon, le navet dans l'assiette. On est d'accord. N'est-ce pas Philippe ? Ok. Alors, si vous voulez des navets de chef, vous pouvez vous fournir chez le Pistou Primeur à Salon de Provence, à la ferme de Pont-Royal à Malemort également. Alors, je vais faire un petit saut justement pour emmener leur petit radis à Paris, parce que la semaine prochaine, il y a la finale du trophée du petit déjeuner. Et vous pouvez aussi retrouver nos producteurs engagés pour le bon, justement, dans ce très joli livre de recettes. Donc, je vous montre des disciples d'Escoffier, qui s'appelle 4 saisons en Provence et qui vient de sortir. Voilà. Superbe bouquin, et demain vous allez le feuilleter pour nous aussi. Exactement. Hein, c'est ça, avec de bonnes adresses. Voilà. Elle a du mal ce matin parce que c'est une gourmande, vous savez, donc elle mange avant de faire cette chronique. Des navets. Je parle plus vite que je ne pense, c'est pas possible. Voilà. Elle a le cœur bancal sur le t-shirt, mais elle a de sacrés coups de cœur pour les produits de notre région. C'est gentil. Merci Myriam. Merci. C'est un bonne plaisir de vous écouter tous les matins et de partager ces produits avec vous. Est-ce qu'on peut envoyer le tapis, s'il vous plaît, en régie ? Merci. Ça évitera de faire l'hélicoptère. Attirez pas mon gars. Ça vous fera écouter vos produits. Ouh, je vais m'en prendre une tout à l'heure, moi.